Eh bien, bonjour à tous. C'est avec un large sourire ce matin que nous allons entamer notre revue de presse. Alors, tous ces partenaires sur le terrain qui ne nous en veuillent pas ce matin, mais franchement, gloire, gloire à l'inoxydable Souleymane Camara qui restera quand même dans les mémoires et pour un moment le joueur clé déterminant qui a débloqué ce match et qui a permis hier au MHSC de l'emporter face au TFC. Il est magnifique, il est inusable, il est totémique. Souleymane Camara fait l'objet de toutes les attentions des observateurs qui étaient au match hier, particulièrement pour commencer par lui. Vincent Villa, qui c'est la plume de l'équipe, n'a Dieu que pour Souleymane. Il ne raconte quasiment pas le match, il n'en conserve qu'un cinquième de page. Camara, roi des extras, le super sub montpelliérain qui a débloqué la situation hier, vous le savez, nous l'avons vécu ensemble. Alors Camara, qui est l'homme de pratiquement tous les records, va tenter, bien entendu, même s'il s'en défend, de battre celui, un record maison de Laurent Blanc avec 84 buts. Il n'en est qu'à 9 unités et ma foi, au rythme qui est le sien, avec la grinta et l'adresse dont il fait preuve, je pense qu'il n'est pas loin d'y parvenir. Ça, c'est donc l'équipe Camara, roi des extras. Il n'est quand même pas dans l'équipe type du week-end. En revanche, celui qui lui a offert sur un plateau le but de la victoire hier s'y trouve. Dans l'équipe type, il y a Ruben Aguilar. Et ma foi, ça n'est pas mal que de voir un maillot montpelliérain dans le 11 des meilleurs de ce week-end. Alors, le quotidien, le Midi Libre, lui, sous la plume de Maxime Reynaud, évidemment, lui aussi, met l'accent sur la magnifique prestation de Souleymane Camara. Alors, ce n'est pas faire injure, bien sûr, ni minimiser le travail de ses partenaires auparavant, mais très franchement, il a débloqué la situation. Je le répète encore une fois, c'est l'homme de toutes les attentions ce matin. Le titre dans le Midi Libre, « Soulé est toujours pas coulé ». Bon jeu de mots, si l'on peut dire, même si Soulé n'est pas noté pour le peu de temps de jeu qu'il a eu, mais ce temps-là, vous en conviendrez, il l'a mis merveilleusement à profit. Souleymane Camara, son magnifique maillot numéro 19, qui a donc offert la victoire à Montpellier et qui permet ce matin à la formation de Michel Derzakarian d'occuper une légitime sixième place au classement. Nous sommes à égalité de points avec Reims et Nice, mais avec un goal average incomparablement supérieur. Et nous ne sommes, bon sang, qu'à 3 points de l'Olympique de Marseille ce matin, à 51 points à la cinquième place. Voilà, merci, un grand merci à Souleymane Camara. Ce match-là, on le décortique avec quelques notes et particulièrement de bonnes pour le match plein réussi de Ruben Aguilar. Deux passes def quand même pour la victoire. Et puis vous dire quoi ? Bien sûr que nous avons recueilli ce matin pas mal de réactions de vous, de nos amis internautes. Alors, Soulé, voilà ce que j'ai à dire pour résumer ce MHSC TFC. Félicitations à Ruben Aguilar. Il associe évidemment les deux joueurs qui ont été déterminants sur cette phase de jeu de la 73e minute. C'est reparti à la Mosson. On espère une deuxième période avec des actions concrétisées. Ça a été le cas. Tout le monde l'a espéré. Et puis, je ne résiste pas quand même à vous faire partager ce matin la réaction de quelques internautes supporters du TFC que relie pour nous PEC MHSC et Camara, comme à chaque fois contre nous, c'est incroyable. Les supporters toulousains disent encore ce Souleymane Camara jusqu'à 80 balais, il marquera contre nous, c'est inqualifiable. Et puis, pour la fine bouche, je finis mes études actuellement et Camara marquait déjà face au TFC quand j'étais encore au collège. Voilà, tout le monde est admiratif ce matin. Souleymane, 36 ans et encore pas mal de ballons sous la semelle. J'espère que Michel Derzakarian n'aura pas eu besoin de ce match-là pour en être convaincu, mais se servira encore de ce porte-bonheur. Véritablement, Montpellier 6e ce matin a confirmé tout ça samedi au stade de la Méno contre le Racing Club de Strasbourg de nos amis Thierry Lauré et Fabien Lefebvre. Bonne semaine à tous.